Bonjour, alors aujourd'hui, à la demande de Chantal Warnier, je fais des petits cadres ovales pour pouvoir coller sur une photo avant plus grand, avec comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Alors, pour ces beaux petits cadres, on va faire le tout premier, le plus simple. Voilà, comme ceci. Alors, pour ça, je monte une chaînette de 54 mailles. Bon. Ah oui, je voulais expliquer, si jamais, parce que j'ai déjà expliqué deux, trois fois dans les commentaires, si je vais trop rapidement, vous voulez ralentir la vidéo, au lieu de la mettre en pause, vous pouvez la ralentir. Pour ça, en bas à droite de la vidéo, il y a une petite roue. Ce sont les paramètres. Vous cliquez sur paramètres et là, vous allez trouver vitesse de lecture. Vous cliquez dessus et là, plus vous montez, plus lent sera la vidéo et plus vous descendez, plus rapide sera la vidéo. Voilà. Alors, donc, 54 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 1, 52, 53 et 54. Maintenant, on ferme en rond en faisant une maille coulée dans la toute première petite maille en l'air. Voilà. Comme ceci. Et on coule la maille. Comme ça. Vous regardez que votre chaînette est bien placée, qu'elle ne tourne pas. Alors, maintenant, une maille en l'air. Et dans la toute première maille, je fais une maille serrée. Et je fais des mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Ça fait une. Ça fait deux. Ça fait trois. Cinq. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. 14, 15, 16, toujours des mailles en l'air, hein? 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Allez. Et 54. Voilà. Et je termine le tour par une maille coulée dans la première maille. Voilà. Ça nous donne déjà notre encadrement. Plus grosse vous prenez votre laine et plus gros le crochet, plus grand sera votre cadre. Hein? Alors maintenant, une maille en l'air et dans la même petite maille, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je passe une maille. Deux mailles, je vais dans la troisième. Je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je passe deux mailles, je vais dans la troisième. Et je fais une maille serrée. 2, 3, 4, 5. On passe une, deux mailles, je vais dans la troisième. Et je fais comme ça tout le tour. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5.
passe une maille, deux mailles, je vais dans la troisième. Je fais ma maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je passe 2 mailles dans la troisième, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 2 mailles, je vais dans la troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. Ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, je passe 2 mailles, je vais dans la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, je passe 2 mailles, je vais dans la troisième, et 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, et je fais une maille coulée dans la maille serrée qu'on avait fait au tout début du rang. Je coule ma maille. Voilà. Maintenant, je vais faire 6 brides. 6 brides dans le premier arceau, séparées d'une maille de séparation. Donc, une bride, 1. Une maille de séparation. Une deuxième bride. Une maille de séparation. Troisième bride. Une maille de séparation. Quatrième bride. Une maille de séparation. Cinquième bride. Une maille de séparation. Et sixième bride. Ça donne ceci. Maintenant, deux mailles en l'air. Et je fais une maille serrée dans l'arceau à côté. Deux mailles en l'air. Je viens faire 6 brides dans l'arceau séparé d'une maille à chaque fois. Alors, 1, séparation. 2, maille de séparation. Troisième bride, maille de séparation. Quatrième bride, maille de séparation, cinquième bride, maille de séparation et sixième bride. Deux mailles en l'air, une, deux,
une maille serrée au milieu de l'arceau suivant. Deux mailles en l'air, arceau suivant, 6 brides. Une maille de séparation. Deux, séparation. Trois, séparation. 4, une séparation. 5, séparation. Et 6. 2 mailles en l'air, mailles serrées dans l'arceau suivant. 2 mailles en l'air, 6 brides dans l'arceau suivant. 1, séparation. 2, séparation. 3, séparation. 4, séparation. 5, séparation. Et 6. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. 2 mailles en l'air, 6 brides dans l'arceau à côté. 1, séparation, maille de séparation. Je la prends mal en plus. Voilà. 2, séparation. 3, séparation. 4, séparation. 5, je la prends pas bien, séparation. Et 6e bride. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2, mailles serrées dans l'arceau suivant. 2 mailles en l'air, 6 brides dans l'arceau suivant. 1, séparation. 2, séparation. 3, séparation. 4, séparation. 5, une maille de séparation. Et ma 6e bride. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Alors, on continue. 2 mailles en l'air, 6 brides dans l'arceau suivant. 1, séparation. 2, séparation. 3, séparation. 4, séparation. 5, séparation. 6, 2 mailles en l'air, mailles serrées dans l'arceau suivant. 2 mailles en l'air, 6 brides dans l'arceau à côté. Je fais mes 6 brides. 1, séparation. 2, séparation. 3, séparation. 4, pardon. 5, séparation. Et 6. 2 mailles en l'air,
Maille serrée dans l'arceau suivant. Deux mailles en l'air. Six brides. Une. Séparation. Deux. Séparation. Trois. Séparation. Quatre. Séparation. Cinq. Séparation. Et six. Deux mailles en l'air. Une maille serrée dans le dernier arceau. Deux mailles en l'air. Une, deux. Et on fait une maille coulée ici au-dessus de la toute première du rang. Voilà. Hop, je fais ma maille coulée. Voilà, on a presque fini. On fait le dernier rang. Pour ça, je monte deux mailles en l'air. Je me rappelle bien. Non, une maille en l'air, pardon. Une maille en l'air. Et je viens faire une maille serrée. Pas dans le tout petit premier petit trou de mon crochet, juste à côté, le trou là, je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, dans le trou à côté, entre les brides, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Dans à côté, entre les brides, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Entre les deux brides suivantes, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Entre les deux brides suivantes, une maille serrée. Maintenant, on arrive sur le petit V ici. On avait fait une maille serrée dans l'arceau. Ici, je fais que je me rappelle là. Je ne me rappelle plus. Attendez, hein. J'ai fait déjà un. Bon, je fais une maille serrée, une maille coulée sur la maille serrée du rang précédent. Non, pas du tout. Pardon, excusez-moi. Je reviens. Donc j'ai fini. Ici, on est sur cette petite rangée. Je fais deux mailles en l'air. Et une maille coulée sur la maille serrée du rang en dessous. Deux mailles en l'air. Et on recommence. Pas dans le trou ici, dans le trou entre les brides. Je vais faire une maille serrée. Cinq mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq. Entre les deux brides. Une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, entre les deux brides, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, entre les deux brides, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, entre les deux brides, une maille serrée. On arrive sur la maille serrée de l'arceau d'en dessous. Je fais deux mailles en l'air et une maille coulée sur cette maille-là. Voilà. Et de nouveau deux mailles en l'air.
et puis je pique entre les deux premières brides, pas dans le trou ici, entre les deux brides, je pique, je fais ma maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, je vais entre les deux brides, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, je vais entre les deux brides, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, entre les deux brides, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, entre les deux brides, et je fais une maille serrée. J'arrive sur la maille là, je fais deux mailles en l'air, une maille coulée sur la maille serrée du rang en dessous, deux mailles en l'air, et je continue comme ça tout le tour. Quand j'ai fini, je pique dans la toute première maille du rang, je fais une maille coulée, je tire mon fil et j'ai fini et j'obtiens mon ovale. Et on obtient ceci en tout petit. Ça, c'est avec du fil numéro 10 et un crochet 1,25. Voilà, on obtient ceci. Alors, pour faire celui-ci, si vous voulez faire celui-ci, ça, c'est le même principe que je vais vous ai montré, sauf qu'on ne fait pas le dernier petit rang. Et pour ceci, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour ça, je redéfais. Je redéfais. Pardon. Alors pour ceci, on arrive ici, donc on a fini notre rang de petits arceaux. Alors, je vais faire les trois séries de picots. Pour ça, je viens me placer dans l'arceau et je fais une maille coulée. Je monte trois mailles en l'air. 2, 3. Je refais une bride que je ne termine pas. Et je refais encore une bride que je ne termine pas. Je passe mon fil, je traverse les boucles. 3 mailles en l'air. 2, 3. Je viens faire un picot. Donc je prends 2 brins. Je fais mon premier picot. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4. 5, je reviens dans l'endroit où j'ai fait mon premier picot, je reprends les deux brins, je tire et je traverse ma boucle. Je fais 3 mailles en l'air et je refais la même chose. Je retourne à l'endroit où j'ai fait mon tout premier picot, je reprends bien les deux brins, je prends le fil et je traverse la boucle. Je fais 2 mailles en l'air, 2, une maille serrée au milieu de l'arceau suivant. Voilà. Même chose à côté, 2 mailles en l'air, je fais une bride, une deuxième bride que je ne termine pas, et une troisième bride que je ne termine pas. Voilà, maintenant j'ai 4 boucles là, je traverse à travers tout. Je fais 3 mailles en l'air, je fais mon premier picot. J'ai mal pris mon brin, donc je recommence. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air, je prends mes 2 brins ici, je passe le fil et je traverse la boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne chercher mes 2 petits brins à la base. Je passe à travers, je passe la boucle. 3 mailles en l'air.
et je refais une dernière fois le picot dans mes deux petits brins là. Hop et hop. Je fais deux mailles en l'air. Maintenant, une maille serrée dans l'arceau suivant. Et puis, je continue avec mes brides. Soit je le fais comme ça tout le tour, soit je fais deux arceaux avec les brides, je refais deux petits picots et je refais deux arceaux avec les brides. Donc, ça fait deux cadres différents. Hein, avec les petits picots au-dessus et en dessous. Et l'autre avec les trois. Ici, je n'en ai fait que deux pour le moment. Je vais vous montrer celui-ci avec les deux petits picots. Si vous ne faites pas les deux picots d'en dessous, vous refaites le système des brides jusque-là. Et vous refaites une fois un picot. Je vais vous montrer. Donc, on est là maintenant. 6 brides, une, comme on a fait là tantôt, séparation, 2, séparation, 3, séparation, 4, séparation, 5, séparation, et 6. Une maille, deux mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant. Deux mailles en l'air, je refais une série de 6 brides. Une, séparation. Deux, séparation. Trois, séparation. Quatre, séparation, 5, séparation et 6e bride. Deux mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Maintenant, je viens refaire deux séries de picots. Alors, pour ça, je fais deux mailles en l'air. Je fais une bride, une deuxième bride non fermée et une troisième bride. Voilà. Et maintenant, je ferme, je passe. Hop. Je monte trois mailles en l'air. Premier picot, je prends les deux brins. Je fais mon picot. Un, deux, 3, 4, 5, je retourne dans mes deux brins du premier picot, je fais mon deuxième petit picot. 3 mailles en l'air, 2, 3, et je refais mon troisième petit picot. Voilà. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. 2 mailles en l'air, je refais une série de picots, donc une bride, une deuxième que je ne ferme pas, et une troisième que je ne ferme pas tout de suite. Voilà, et maintenant je ferme toutes les brides, voilà. Je monte trois mailles en l'air. Premier picot, je vais chercher les deux premiers petits brins, ici à la base, et je fais mon picot. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, mon deuxième picot, je vais rechercher mes petits brins, et je passe, je coule à travers tout. Voilà, 3 mailles en l'air, et mon troisième picot, je vais rechercher les deux mêmes petits brins, et je coule ma maille. Deux mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Et maintenant, alors, je refais une série de deux
de bride là, pour ça. Deux mailles en l'air, une, deux, six brides, une, séparation, deux, hop, j'ai mal pris, je recommence, deux, séparation, trois, séparation, 4, séparation, 5, séparation et 6. 2 mailles en l'air, mailles serrées dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, je refais une série de 6 brides, 1, séparation, 2, séparation, 3, séparation, 4, séparation, 5, séparation et ma sixième bride. Voilà, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, et je viens faire ma dernière série de picots pour avoir mes 3. Pour ça, donc, je pique, je fais ma première bride, je ne la ferme pas, deuxième bride, je ne la ferme pas, et troisième bride, je ne la ferme pas. Je traverse toutes les boucles. Une, deux mailles en l'air. Je fais une maille serrée. Rien du tout. 3 mailles en l'air. J'oublie mes picots. Donc, premier picot. Je prends les deux brins. Je traverse. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je vais rechercher mes deux petits brins et je fais ma maille courrier. 1, 2, 3. Je vais rechercher mes deux petits brins du début. Hop. Et je coule la maille. Et voilà, je fais mes deux mailles en l'air et je viens faire une maille serrée dans le dernier arceau. Et 2 mailles en l'air et une maille coulée à la base de ma toute première maille. Et je coule la maille, je tire le fil, je coupe et j'ai mon petit cadre. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est ce petit-ci. Si vous ne faites pas ça, vous obtenez ceci. Voilà. Et alors, je vais vous faire encore un troisième. C'est celui-ci. Donc, pour ça, on a fait également 54 mailles. On a fait la première série d'arceaux, là. Donc, une maille serrée, 5 mailles en l'air, on passe 2 mailles dans la troisième, on fait une maille serrée, 5 mailles en l'air, on passe 2 mailles, etc., etc., on fait tout le tour. Quand on arrive à la fin du tour, je fais 2 mailles en l'air et une bride dans la toute première maille serrée du rang. Je fais ma bride, ce qui me positionne au milieu d'un arceau. Maintenant, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, et je refais un tour. Oups, 1, 2, 3, 4, 5, je vais dans l'arceau, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4.
4, 5, hop, smile serré. 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée dans l'arceau suivant. Donc ça, c'est pas compliqué non plus. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une 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 maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez même laisser seulement le premier rond. Le premier rang d'arceau, ça vous fait encore un petit cadre. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire une maille coulée à la base ici. Quand je me suis positionnée au milieu de l'arceau, donc je retourne ici au milieu de mon arceau et je fais une maille coulée. Alors avant de continuer, je vais vite vérifier quelque chose. Voilà, alors maintenant on fait que des picots. Donc les picots, l'arceau maille serrée. Je vais vous montrer. Alors, on se positionne dans l'arceau, une maille coulée, trois mailles en l'air, deux, trois. Une bride que je ne termine pas et une troisième bride que je ne termine pas. Maintenant, je passe à travers tout. Un, deux, trois mailles en l'air, je fais mon picot. Je prends les deux brins. Je passe à travers tout. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Là aussi, vous pouvez très bien arrêter au deuxième rang de petits arceaux. Ça vous fait encore un petit cadre. Et 1, 2, 3. Je vais rechercher mes deux petits brins, je vais chercher la maille et je coule. Maintenant, je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, non 4, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. 4 mailles en l'air, 3. Dans l'arceau suivant, je refais ma série de picots. Donc une bride, que je ne ferme pas, une deuxième que je ferme pas, une troisième que je ne ferme pas, et maintenant je termine tout, voilà.
3 mailles en l'air, 2, 3, je pique 2 brins, je fais ma maille coulée, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, je viens rechercher les 2 brins ici de mon premier picot et je fais mon deuxième, et 3 mailles en l'air, je viens, 3 mailles en l'air, je viens rechercher mes 2 petits brins de mes picots et je coule la maille. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4 et une maille serrée dans l'arceau suivant. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je refais ma série de picots, je refais une dernière fois. Une maille, une bride non fermée, une deuxième bride non fermée, une troisième bride non fermée. Maintenant, je passe à travers tout. Je monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais chercher les brins, je fais mon premier picot. 1, 2, 3, 4, 5, je vais rechercher mes brins, je fais mon deuxième picot, et 1, 2, 3, mon troisième picot, 4 mailles en l'air, 3, 4, je vais dans l'arceau suivant, et je fais une maille serrée, etc., etc., etc. Donc, le suivant maille serrée, une série de picots, une maille serrée, série de picots, maille serrée, série de picots, maille serrée, picot, maille serrée, picot, maille serrée, picot, maille serrée, et vous avez fini votre tour. Quand vous avez fini, vous avez votre maille serrée, vous faites vos 4 mailles en l'air et vous faites une maille coulée dans la toute première maille ici. Vous tirez le fil. Vous coupez et vous avez encore un autre petit cadre. Et celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Alors après, donc vous pouvez vous coller vos petits cadres sur vos images. Vous avez vos petits cadres, comme ceci. Et vous pouvez mettre les petits boutons de rose. D'après le tuto de Douceline, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle a fait des petits boutons comme ça, des petits boutons de rose. Elle a fait des petits tutos pour ça, ainsi que les feuilles. Voilà, c'est adorable, petites feuilles. Moi, j'en ai fait de couleur, mais bon, voilà. C'est mignon comme tout. J'ai fait des doubles feuilles aussi. Donc les doubles feuilles. Et alors vous pouvez donc vous mettez votre image, vous collez, vous mettez par exemple des petites feuilles comme ça et un petit bouton de rose dessus. Ou un autre cadre, vous mettez une petite fleur comme ça, une petite feuille comme ça, une petite feuille comme ça, un petit bouton comme ça, ou un petit bouton jaune, etc. Ça fait des jolies petites choses. Ou vous pouvez faire aussi ça et mettre simplement des petites, les petits boutons. Voilà, pour décorer vos petits cadres. Mais je vous mettrai, parce qu'elle le fait très bien, c'est très 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 bien expliqué, elle fait de très très jolies choses. Je vous mettrai le lien pour sa chaîne. Voilà, pour aller voir tout ça. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo ce coup-ci. Je vous souhaite une belle après-midi, un beau week-end, amusez-vous bien avec tout ça. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, bisous, bisous.